Bizarrement, cette idée n'est pas venue en étudiant un œuvre. C'est une idée, une intuition qui est arrivée. Je ne voulais pas mettre ça dans des espaces avec des simèzes et des enfilades et tout ça. C'était trop contre le thème de l'itinérance. Donc cette idée de la route de l'histoire, la route du voyage. Donc je me suis dit, je voudrais sortir d'une situation bourgeoise avec des murs propres. Donc j'ai eu cette idée de la terre, d'essayer de retrouver des temps chauds et aussi par terre avec les empreintes qui nous guident, mais qui aussi en suivent dans l'histoire des gens qui sont venus avant nous. Dans les deux courbes, c'est les quatre œuvres qui n'ont pas vraiment leur place dans cette salle ici, où on traite les thèmes des gitans en spectacle. Donc vous avez ce magnifique dessin de Jacques Bellange qui montre un bohémien en tombant, mais c'est un costume pour un ballet. Vous avez ce tableau de Bolléry qui est attribué à Bolléry, qui est très étrange sur les comédiens itinérants avec leur chapeau égyptien, donc tzigane. Et bien sûr, je voulais échapper de Marie-Antoinette, mais je la retrouve avec ce très très joli tableau qui est attribué à Vigée Lebrun. Ils ont pris une idée des gitanes, de la bohème, et ils ont fait une exposition dans un parcours chronologique. Donc c'est magnifique avec les deux étages et la progression. Dans la deuxième partie de l'exposition, où on découvre l'atelier de l'artiste et les cafés à Montmartre et à Montparnasse, je crois que là on voit l'idée de la vie bohème comme mythe. C'est une hot pot, stew pot, une bouillabaisse, si vous voulez, très, très, très nourrissant. Dès le début, avec ce dessin magnifique de Léonard da Vinci, on voit là la méfiance. Alors les deux côtés, on était fascinés, mais on se méfiait aussi. Je pense que aussi la bohème était une recréation. Ça évoque une certaine idée des artistes, de la vie artistique, surtout ici à Paris. Cassas dans le café de la fille toute seule avec sa cigare. On voit en réflexion d'un miroir tout le café qui, avec une vie incroyable, elle est là toute seule. On ne sait pas si son amant l'a quittée, si elle attend quelqu'un qui n'arrive pas. Mais il y a beaucoup de visages dans cette exposition qui me touchent. Cet autoportrait de jeune Delacroix, ça m'a beaucoup touchée. Et j'ai remarqué qu'il n'avait que 16 ou 18 ans quand il a fait cet autoportrait. Mais il a déjà un visage assez épuisé, un peu hanté. Cette image de l'artiste bohémien, bien sûr, c'est quelque chose qui nous accompagne. Tous. Je pense que tous les Américains, pas juste les Américains, mais aussi les autres étrangers artistiques qui s'installent ici à Paris, il y a toujours derrière nous cette idée de la vie d'avant, d'autrefois, de Paris. Il y a les gens aux États-Unis ou en Grande-Bretagne qui se disent « I want to go and live the artist's life in Paris ».